Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Vous connaissez ces irritants? Votre humble serviteur. Cette vidéo-là, c'est pour lancer un message, vraiment un message très 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 important, un message de cœur à tous les fans, les vrais fans des Bordeaux Licofa. Voilà. Donc en tout cas, si tu es fan des Bordeaux Licofa, que tu connais d'autres fans aussi, il faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo pour qu'ils puissent écouter ce que j'ai à leur dire. Parce que j'ai à leur dire certaines vérités qui doivent normalement les motiver à atteindre un résultat. Voilà. Donc, c'est juste une intro. On va démarrer la vidéo juste après le générique. Donc, asseyez-vous, abonnez-vous, likez cette vidéo au maximum et surtout, 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 j'ai besoin de vos avis en commentaire. On se prend après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès, à la base. Je procède, à des firmes. Au palais de la culture, on demande au conseil live le 20 décembre. Voilà famille, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez ces irritants, votre humble serviteur. Bon, je reviens encore sur une info. Voilà, une info que j'avais passée hier. Ruffy est désormais orphelin car il a perdu sa mère. Et j'aimerais bien que tous les éléments du coupé décalé, tous ceux qui ont déjà vu Ruffy danser un jour, lui apportent son soutien. Voilà, un appel, un message, un geste sera vraiment le bienvenu. Donc, tout meilleur pour encore frérot. Beaucoup, beaucoup de force et puis sois plus fort qu'avant. Voilà, que cette disparition-là te motive, puisse te battre encore plus pour tes frères et soeurs et à devenir meilleur. Voilà, c'est très important de le signifier. Une autre info aussi, Arel Chené en Guinée s'est vu honoré. Voilà, en tout cas, Arel Chené commence à avoir beaucoup, beaucoup de fans dans tous les pays africains qui aiment bien la musique coupée décalée. En tout cas, grande félicitation à Arel Chené parce que il fait son bon bout de chemin, quoi, tranquillement, sans bruit, à l'abri des regards. Voilà. Il y a Kérosène aussi, je ne sais pas. C'était à l'occasion de quel prix là. Il a été élu meilleur artiste coupé décalé. Je pense qu'il le mérite aussi parce qu'il a fait quand même beaucoup de tubes à succès. Donc c'est un peu ça. Je tenais vraiment à vous donner cette petite information là. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Avant de vous envoyer mon message aux fans de Débordeaux Likoufa. Qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo, les amis? Vous êtes bien assis, j'espère. Ce fin décembre, normalement, on a un grand concert. On a un très, 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 très grand concert qui va se dérouler au Palais de la Culture à partir de 16h. C'est vrai qu'il y aura la participation de beaucoup de personnes, c'est-à-dire les fans de tous les autres artistes, des mélomanes, des Ivoiriens, si vous voulez, de tous les Ivoiriens. Mais la vraie base, le vrai fond de commerce de ce concert-là, c'est d'abord le fan des Débordeaux, pour ne pas dire les fans des Débordeaux. Donc, normalement et logiquement, si tu es un fan de Débordeaux, si tu aimes Débordeaux, c'est bien beau de lui donner des likes quand il fait ses directs sur Facebook, de partager massivement ses directs, de commenter, de le défendre, de souvent même discuter avec certaines personnes qui lui laissent des mauvais commentaires sous ses posts. C'est bien beau tout ça. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'acheter ton ticket. Et si tu as les moyens, d'offrir aussi un ticket ou deux tickets à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de participer à ce grand concert-là, mais qui veulent bien lui participer, il faut le faire. Ça, c'est une vérité que vous devez retenir. Hein. C'est bien beau. Parce que si demain l'artiste a honte, ça ne sera pas sa faute à lui. Ça sera d'abord de notre faute. Parce que normalement et logiquement, quand tu te dis fan d'un artiste, vrai fan surtout, pas un bavard, tu ne vas jamais admettre, jamais, jamais, jamais admettre que ton artiste ait la honte, ou bien qu'il tape poteau, ou bien que son concert ou son spectacle soit vide. C'est que tu n'es pas un vrai fan. Pour ouvrir une petite parenthèse, quoi qu'on dise, hein, mes amis, voilà, souvent ça fait mal à certains quand je les prends en exemple, mais c'est la vérité. Quoi qu'on dise, et puis je dirais, à part ces histoires d'achat, de CD ou bien de morceaux sur les plateformes payantes, c'est-à-dire en ligne là, les Chinois là sont moins. Ils savaient trop relever le nom de Fuji Arafat, quoi. Regardez son dernier concert du 29 là, c'était chaud! C'était chaud! À 2 semaines du concert, on était seulement je crois, à 2000 ou bien 3000 tickets vendus. Mais ils ont compris que, ah, de la manière que l'artiste de Bordeaux Likoufa n'est plus sur l'événement, si le concert est bizarre,
D'abord, un artiste va avoir honte. Et puis les autres fans d'artistes aussi vont se moquer d'eux. Donc ils disent non, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne sait pas où ils sont rentrés. Ils ont commencé à acheter les tickets en tas. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit toujours que on va body le mouvement des Chinois. On va dire ce qu'on peut penser d'eux. Mais c'est des gars, ils savaient vraiment, vraiment soutenir les artistes. Peut-être que souvent ils les soutenaient dans la bêtise, mais ils soutenaient vraiment les artistes. Ils étaient prêts pour lui. Et puis s'il me plaît dans les Chinois, ce que vous ne savez pas, il y a tout type de fans. Il y a des responsables, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des directeurs de société. C'est-à-dire qu'ils voient ça comme ça, ils se disent non, bon, puisque moi, 10 000, 20 000, c'est pas un problème, je peux acheter ça pour moi. Mais de la manière que le conseil de mon assistant est bizarre, là, il y a foyer. Il y a envoyé au moins 1 million, mais 500 000 pour acheter tellement de tickets pour tellement de personnes. C'est ça aussi être un vrai fan. Moi, par exemple, s'il y avait les moyens de faire ça, il allait faire ça sans problème. À chaque conseil de Bordeaux, il paye ticket 1 million, mais 500 000. Voilà, c'est ma participation. On s'est venu donner à quelqu'un comme ça, là. C'est commandilage. Voilà, moi, c'est pas des dents. Il paye les tickets, on donne ça à des gens, ils ont participé au conseil de l'artiste, et puis fêtent l'artiste. Donc, sur ce point-là, respectons ces Chinois-là. Mais en même temps, ça coûte ces Chinois aussi, ils sont en train de vous parler. Parce que vous savez que c'est des dangereux moqueurs, des dangereux attacheurs. Vous savez combien de fois ils attendent l'artiste de Bordeaux fort tout dedans. Vous savez combien de fois ils sont au carrefour et puis ils le regardent. Est-ce que vous voyez dans ce temps-là, ils sont en train de parler? Est-ce que dans ce temps-là, vous voyez ils sont en train de parler? Ils ne parlent pas, hein? Ils observent. Peut-être qu'ils sont en train de prier Dieu même pour que de Bordeaux remplisse son concert. Parce que si de Bordeaux n'a pas rempli son concert, franchement, l'attachement qu'il va avoir là, il n'a jamais eu ça de sa carrière. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là, pour vous interpeller, pour vous parler. Moi, en tout cas, moi, je sais que les fans de Debordeaux, c'est des gars qui n'aiment pas foutaise. Ils ont toujours répondu présent à l'appel de la TIS. Mais je vous rappelle que actuellement, toute la Côte d'Ivoire nous regarde. Tous les regards sont rivés sur le concert de la TIS de Bordeaux-Likoufa. Donc, ne permettez pas que les gens parlent trop même. Voilà. C'est-à-dire, je veux que le concert passe inaperçu. C'est-à-dire, on a tellement rempli qu'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de commentaire à faire. On dit, ah, Debordeaux a reçu son concert, et puis on avance. Là, ils seront encore plus fiers de vous, les légionnaires. Ils seront encore plus fiers de vous, les magnans. Voilà. Je tenais vraiment, vraiment à faire cette vidéo-là parce que je trouve qu'elle est très, très importante. Il faut pas permettre à ce que l'artiste ait honte. Parce qu'actuellement, là, il est très attendu au tournant. Moi, en tout cas, je ne vais pas permettre. C'est pourquoi je fais déjà cette vidéo-là pour vous rappeler que ce 20 décembre-là, il est en concert. Et puis, regardez, on est le 20 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Je crois le 25, non? Le 25 ou le 26. Je n'ai pas trop bien la date actuellement. Donc, on a seulement 24 ou 25 jours pour vendre au moins 15 000 tickets. On doit acheter au moins 15 000 tickets. C'est pas impossible. Voilà. Je sais que le gars, il a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Ces personnes vont vraiment acheter massivement ces tickets. Mais en même temps aussi, il faut pas prêter le feu au diable. Parce qu'à la moindre occasion, il va mettre la honte sur nous. Et puis, je sais que vous n'allez pas admettre ça. Je sais que vous n'allez pas accepter ça. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. J'espère que je me fais entendre. Voilà, les amis. Donc, juste vous dire que un concert, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire faire des commentaires, partager et tout ça. Il faut déjà acheter vos tickets. Et là, quand vous commentez, vous partagez, là, vous le faites fièrement et dignement. Voilà, parce que faut dire aussi que parmi ces fans coupés décalés, il y a trop de bavards dedans. Il y a trop de bavards dedans. Or, actuellement, où on est là, on n'a pas besoin de bavards. C'est quand même 15 ans de carrière et 15 ans de carrière, ça se fait correctement. Correctement, je dis, ça se fait correctement. Donc, je compte sur tous les fans de Bordeaux Likoufa. Je sais que vous m'avez entendu et puis je sais que vous n'allez pas verser son visage par terre. Et puis, un autre message que j'aimerais lancer pour terminer la vidéo. Tous les fans de Bordeaux qui sont à l'extérieur, qui pourront ou pas participer à ce concert-là, en tout cas, si tu aimes ton artiste, moi je me porte garant. Moi je me porte garant. Faites un geste. Deux tickets, trois tickets, quatre tickets, vous en avez les moyens. Voilà. Même si vous ne pouvez pas participer directement au concert, faire participer d'autres personnes, c'est participer aussi au concert des Bordeaux Likoufa. Donc, vous n'avez pas d'argument. Je vais me charger d'aller avec plusieurs powerbanks, être bien chargé pour vous faire suivre l'événement en direct. Mais la seule chose, je dis bien la seule chose que moi, votre humble serviteur, je vous demande, c'est de vraiment acheter les tickets de l'artiste des Bordeaux Likoufa. Je vous avais déjà dit que les tickets sont déjà en précommande sur la page Force à Déborda. Vous vous retrouvez sur la page Force à Déborda, vous cliquez sur les liens pour précommander vos tickets. Il nous reste simplement que 24 ou 25 jours. Ce n'est pas beaucoup, mais je sais que dans ce laps de temps-là, en tant que vrai fan de Bordeaux Likoufa, vous allez vous manifester et acheter tous les tickets. Il faut qu'il y ait rupture de stock. Voilà. Le 31 mars 2018, il y avait un sérieux concurrent devant nous. On a réussi notre concert tranquillement, sans embrouille. Sans embrouille. Voilà. C'est pas où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas le feu qu'on ne va pas réitérer encore l'espoir. Voilà. Je compte vraiment, vraiment sur vous.
achetez les tickets. Vous êtes à l'extérieur, vous pouvez participer au concert de Bordeaux. Donc, achetez beaucoup, 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 beaucoup de tickets. 1, 2, 3, 4 tickets. Si, par exemple, je prends un exemple simple, un calcul bête. Si 500, bon, 500 c'est trop. Si 100 fans de Bordeaux de l'extérieur, oh, vous êtes plus, vous êtes des millions, même des, vous êtes des millions, des milliers à l'extérieur. 600 prennent 3 tickets, ça fait 300 tickets vendus. 300 tickets vendus. Ce serait une fierté pour vous. Voilà, parce que moi, ce serait dans les détails. Ça sera dans les détails. Je vais faire l'estimation de trucs, toutes ces personnes-là qui auront pu acheter les tickets de Bordeaux pour faire participer d'autres personnes parce qu'elles ne sont pas disponibles, parce qu'elles ne sont pas au pays. Et puis, je vais faire une vidéo spéciale remerciement. Si c'est pour remercier tous ces 500 ou ces 100 personnes qui vont acheter les tickets de Bordeaux, je vais le faire. Mais franchement, je compte vraiment sur vous. Voilà. Laissez les réseaux sociaux. Cherchez à acheter vos tickets d'abord. 10 000, 20 000. 10 000, 20 000. Voilà, là au moins, c'est-à-dire on est dans le concert, mais puis on est content. Le concert doit vite démarrer. Généralement, les concerts de ma boîte très vite, il y a toujours des retardataires. Voilà, il y a des gens qui aiment payer les tickets le jour J, il y a des gens qui aiment payer les tickets la veille, il y a des gens qui aiment payer les tickets quand l'artiste est sur scène. On ne veut pas ça cette fois-ci. Le 20 décembre, quand on dit 16h, au plus tard 17h, de sur scène, 19h20, on a tué le concert, c'est fini. Voilà, ça ne chauffe pas. Donc, je compte vraiment, vraiment sur vous et j'espère que je me suis fait entendre. Partagez massivement la vidéo et puis on est ensemble. Rendez-vous ce 20 décembre 2019 au Palais de la Culture. C'était Rito, votre M serviteur. Ciao, ciao.